Bonjour les rebords, bienvenue. Nous sommes de retour pour notre vidéo, une vidéo extraordinaire. Waouh! Une vidéo vraiment surprenante. C'est aussi notre première vidéo du jour. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et laissez beaucoup de j'aime, surtout beaucoup de j'aime pour nous soutenir. Ah! Mes frères et sœurs, quand j'ai vu cette vidéo hier avant de m'endormir, j'ai cru que je rêvais. J'ai cru que c'était de la blague. Mais quand je me suis réveillé le matin et que j'ai revu encore la même vidéo, je me suis dit, mais attends, donc c'est réel. Attends, est-ce que c'est possible? Ah! Incroyable, mais vrai. Tu ne devineras jamais ce que ce stylo est en réalité. Mes frères et sœurs, vous ne devinerez pas ce que ce stylo que vous voyez là, là-bas, là, ça là. Vous ne devinerez vraiment pas ce que c'est en réalité. En fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que généralement, quand on voit ça, on se dit quoi? On se dit que, oh, ça, c'est un missile, ou bien c'est quelque chose de dangereux, oh, c'est une arme, oh, c'est pour l'armée, oh, hi-ha. Mais quand on voit ça, on ne peut même pas s'imaginer que ça soit ce qu'on croit. Ouais. Quand je vais vous montrer ce que c'est en réalité, vous risquez d'être surpris. Et si vous avez, si ça vous a surpris, hein, écrivez en commentaire, waouh! Et si je saurais. Maintenant, soyez prêts, parce que je vais vous montrer la courte vidéo qui nous montre ça! Danger de mort. On dit danger de mort, sérieux? Et regardez ce stylo. Regardez très bien ce stylo. Vous voyez ça? Vous n'allez pas croire à vos yeux. Regardez. Le stylo est là dans sa main. Et quand il ouvre le stylo, vous allez voir ce qui va sortir de là. Regardez. Une balle en sort. Une balle carrément sort du stylo. Une balle qu'il remet à sa place. Et qu'il referme. Il referme maintenant le stylo. Une fois que le stylo est bien fermé, il tourne, il retire juste en bas là, comme ce que vous venez de le voir. Et il retourne le stylo carrément. Il tire l'arrière du stylo juste en bas, il tire en bas. Vous voyez ça? Et regardez ce qu'il va faire maintenant. Vous risquez d'être surpris par là. Regardez bien. Waouh! Il vient de tirer comme ça une balle. Une balle. Tchit, 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 tchit. Ça, c'est vraiment une chose incroyable, impossible. Mais comment c'est possible? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends. On avait l'habitude de voir ça dans les films, non? Donc, c'est réel. Attends, donc ce qui nous montre dans les films, c'est vraiment vrai. Hein? C'est un truc de ouf. Vous voyez ça? Regardez bien, regardez très bien. Tu vois Nigeria, Et waouh! Incroyable, mes frères. Incroyable, mes frères. C'est presque impossible. C'est presque incroyable. Hein? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Pendant que nous sommes là tranquillement en train de regarder notre match de football, s'amuser, manger de la bonne nourriture, regardez ce que les gens sont en train de penser à faire. Les gens sont en train de penser à comment faire pour détruire la vie des gens, c'est que personne ne s'en rende compte. Et ils sont fabriqués cela pourquoi? Ils sont fabriqués ça juste pour que ça passe inaperçu. Ainsi, ils vont utiliser ces armes pour pouvoir tuer des gens vraiment très haut placés. Et oui,
Par exemple, si tu veux faire du mal au président des États-Unis, par exemple, lui, toi, tu sais que c'est pas facile d'atteindre Joe Biden. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas peut-être te jouer au gentil gars pour infiltrer son groupe. Et puis, tu as un truc comme ça dans la main. C'est pourquoi? C'est pour tirer sur lui sans que personne n'arrive à découvrir préalablement que tu avais une arme sur toi. Parce que forcément, ces gens vont fouiller, chercher à savoir si tu as une arme. Maintenant que je regarde ça, je me dis, mais attends, vous voyez comment le monde est en train d'aller vers sa destruction? Le monde est en train d'aller vers sa destruction. C'est pas possible. Vous voyez? Et c'est une balle. C'est une balle comme les balles que vous pouvez mettre dans votre pistolet. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et ça peut faire d'énormes dégâts. En fait, s'il est bien orienté, s'ils ont tiré au bon endroit, ça peut tuer. Ça peut carrément tuer. Et ces gens-là ne rigolent pas. Quand ils ont une telle arme, ils n'hésitent même pas à tirer là où ça fait mal. C'est-à-dire dans la tête. Ça, c'est une balle en direction de la tête. Vous me regardez. Waouh, c'est carrément incroyable. Là, vous comprenez pourquoi Dieu lui-même nous demande d'être très vigilants. Parce que le diable, il rôde comme un lion, cherchant qui il va dévorer. Regardez ce que le diable a fait de faire. Ça, c'est ce que le diable vient de faire. Cela montre combien de fois il rôde vraiment. Et il cherche les moindres failles pour vous frapper. Ha! Soyez prudents. Voilà. Quand si on vous montre ça, une âme pareille, vous allez dire que, oh, on sait que c'est une âme, on doit faire attention. Mais regardez les deux tailles, regardez la différence des tailles. Regardez la différence. Un stylo, est-ce que vous vous rendez compte? Vraiment, c'est grave. Toutes ces âmes qui sont en train de construire là finiront par être utilisées un jour. Tôt ou tard, ça va être utilisé, je vous le dis. Vous voyez ça? Les gens même sont en train de chercher où voler se mettre à l'abri. D'autres vont aller se mettre à l'abri dans le sous-sol, dans la profondeur de la terre. Hey! Donc, eux fabriquent des bombes qu'on a pour tuer l'homme. Et puis, ils vont aller se cacher dans le sous-sol. Là, ils vont aller se cacher là. Moi, j'allais les trouver là-bas. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Si cette vidéo vous a vraiment étonné, surpris, écrivez en commentaire. Nous sommes vraiment étonnés. C'est incroyable. Tchè, 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 tchè. Bon, ok. Merci de regarder cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Restez connectés.